Bonjour tout le monde. Salut, salut. Pousse-toi. On s'est rentré dedans. Salut. Alors, aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est... Produit. Donc aujourd'hui on vous présente... Produit. Tu m'avais dit produit. On vous présente les sœurs chefs. Que dire? Beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de choses. Dans quelle ordre commencer? Bah déjà, essor chef. Pourquoi essor chef? Parce que c'est une... Essoreuse. Voilà. J'ai l'impression de me retrouver avec mes daspa et mes flas. Alors, tu ne parles pas français. Essor chef, qu'est-ce tu que tu veux dire? Tu te rends compte, s'ils tombent sur cette vidéo, ils vont être là, mais pour qui vous nous prenez? Bref. Ils ne pourront pas dire ça, ils ne parlent pas français. Pour commencer, c'est donc une essoreuse. Vous mettez votre salade ou quoi, hein, dans le panier, quoi. Hein. On met le couvert et on essore. Jusque-là, on est tous d'accord. Simple et efficace. Le gars qui n'essore jamais sa salade, les amis. Je mange pas de salade. Allez, vas-y. Je dirais comment j'utilise ça, moi. Oh mon Dieu. Alors, déjà, première chose importante, ce n'est plus une corde qu'il faut tirer comme dans l'ancien temps. Que nenni, les amis. C'est une petite manivelle très pratique. Avec deux doigts, vous tournez super facilement. Pour les enfants et les personnes âgées, c'est nickel, vraiment. Donc, vous n'avez qu'à appuyer et ça tourne. Appuyer? Oui, appuyer de manière horizontale. On dirige la force de la main. Ok. Ouais, vous avez compris, vous pouvez vous tourner quand même. Jusque là, tout va bien. Non, il y a de l'eau, je fais quoi? Ah, pas encore. Pas encore. On n'a pas encore mis la salade. Ah, mince. La salade, on la met dans le petit panier. Alors, ceci n'est pas un panier comme les autres. Ceci est un panier qui résiste à de l'eau bouillante, mais très important. C'est un panier super, ouais. Aussi. Alors, parce que très souvent, dans les autres marques, eh bien, vous ne pouvez pas essorer vos pâtes dans ce panier-là, sinon votre panier... devient rapourri. Et donc ici, si vous regardez, il y a trois pions, je ne parle jamais. Hein, tout à fait. Il y a trois pieds, ce qui permet de surélever le panier. Vous mettez ça dans votre évier, par exemple, et vous pouvez verser les pâtes, pas de souci, vous gardez que les pâtes. Alors pourquoi ces pieds sont également importants? Dans une optique de conservation. Oui. Parce que votre salade, vous ne la mangez pas entièrement et vous avez peur que après deux jours, elle fasse sa tête. Pas de problème. Vous mettez votre salade là-dedans, elle ne va pas baigner dans son jus. Vous utilisez le couvercle de conservation, vous fermez hermétiquement, elle va rester une semaine sans problème et quand vous allez ouvrir, elle va encore vous sourire. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, merveilleux. Alors, on en arrive au fait. Ici, il y a un petit trou dans votre essor chef. Pourquoi c'est bien? Parce que... Tu la... mélanges les... Moi, je comprends pas pourquoi t'as fait dans ce sens-là. Pourquoi ce petit trou, Sarah? Dis-moi. Laissons les femmes prendre le pouvoir. Mais... parce que vous réouvrez votre essor chef après une semaine, il y a quand même de l'humidité dans l'essor chef. Ah. Vous mettez ce magnifique couvercle et vous pouvez enlever l'eau sans problème. Même chose quand vous essorez, l'eau arrive au fond de l'essor chef. Pas besoin de tenir d'un côté la salade pour pas qu'elle tombe. Non. Vous remettez le couvercle et comme une bourrine que je suis, vous pouvez essorer tranquillement sans en avoir partout. Et faites-lui confiance, c'est une bourrine. Alors, petite info de nouveau, tout va au lave-vaisselle. Nous non en sommes ravis. Comment non ça non? Bah si. Le joint. Mais j'allais le dire ça. Oh, t'es nul. C'est ça l'info qui vient. Tout va au lave-vaisselle, ça c'est important. Sauf le petit joint ici en silicone qui s'enlève tout facilement si c'est pas agréable ça. Et pour le remettre, ben, vous le remettez tout ça. Tout facilement. Mais ouais, mais ça c'est le truc à pas faire. Hein. Vous le remettez tout simplement comme ça avec deux doigts, vous voyez, et hop, il est remis. Et c'est prêt. Si c'est pas merveilleux. Voilà, ça va, c'est assez simple pour toi. Donc n'oubliez pas de l'enlever. Alors si vous le mettez une fois ou deux, c'est pas grave, hein, c'est du silicone, pas de souci. Mais vu qu'il n'est pas traité en fait pour fonctionner dans le lave-vaisselle ou autre, avec le temps il va se craqueler et il va être de moins en moins antidérapant. Et donc là, ça glisse et quand on le met, forcément ça ne glisse plus. Ouais. Tout simplement. Alors il faut que je vous avoue quelque chose, je n'utilise pas que pour essorer ma salade. D'accord. Très bien. Si vous voulez faire des mélanges de pâtes et tout ça, moi ce que je fais c'est je mets mes pâtes, je mets ma feta, je mets mes tomates et tout ça. Et donc comme j'ai pas envie de mélanger à la cuillère, je sens que t'avais envie. Voilà, je tourne et donc ça se mélange absolument tout seul, c'est d'une facilité. Mon pesto est mélangé, c'est génial. C'est comme tout va au lave-vaisselle, c'est pratico-pratique. Moi, le plus souvent quand tu fais ça, on reçoit des gens, parce que je suis en train de me dire, mais tu fais jamais ça pour toi toute seule. Mais non, en fait, on reçoit les gens et c'est top.
Est-ce que vous avez compris? Le film muet, Charlie Chaplin. C'est aussi un plat de présentation. Mais bien non, mais je me disais, mais comment tu fais d'habitude? Parce que tu parles de pesto, je me dis, si tu mets ça avec le pesto et que tu mélanges, il y a du pesto partout à l'extérieur, il n'y a plus dans ta salade. Enfin, vous, tu vois, enfin, les réflexions dans la tête, vous voyez que je ne mange pas de salade. Et puis je me rappelle, mais oui. Oui, tu l'as déjà essoré, et tu fais ça, et tu mélanges à la spatule, et tata, et tu présentes ça là-dedans. Exactement. Et je me souviens. Et ça va sur la table, et c'est très joli. Excuse-moi, hein. Excusez-moi de prendre votre temps à mes réflexions d'homme. Sur ce, homme, nous vous laissons, nous vous souhaitons un bon mardi. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à mettre le pouce bleu. Je sais pas à quoi ça sert encore, mais ils le disent tout le temps sur YouTube. Et, à rejoindre notre groupe Facebook. Si vous n'y êtes pas. Exactement. Il y a plein d'astuces. Parce que demain, on a quoi sur le groupe Facebook? Demain, il y a un défi. Hein, Et qui dit défi dit cadeau. Ah ouais. Ah ouais. Allez, à demain. Salut. Bisous. Bye.